Salut les maîtres du portail, on se retrouve pour le troisième niveau, qui commence donc au chapitre 11, et on va aller voir tout de suite sur la carte ce qu'il nous faut. La carte. Donc bah évidemment les 3 étoiles, 5 coffres seulement, et dans ce chapitre il y a 2 coffres et la fameuse porte. Donc on va aller faire ça. Alors sachant qu'ici il y a potentiellement plein de choses de cachées avec les nuages. Voilà, par exemple, là, il y avait un peu d'argent. Donc, faut pas hésiter à aller vraiment partout. J'avance peut-être un poil trop vite. On a vu un cadeau là-haut, très rapidement. J'avançais pas trop vite, il y avait rien du tout. Ouais, donc je continue de prendre Spitfire, hein, parce que comme je le disais dans le niveau précédent, j'ai pas beaucoup de Skylander, de toute façon différent, et celui-là il a l'avantage d'être très très rapide. Chouette, c'est quoi ça? C'est un chapeau? Ça. Puisque avec sa téléportation, on avance très très vite. Bon, on peut aller par là maintenant. Et en plus, ça fait des dégâts. Alors, de temps en temps, on peut souffler là-dedans. Ça permet de voir un petit peu la suite du décor. Voilà. Et les nuages reviennent. Là, il y a des choses, il y a des monstres à tuer. Je pense que c'est la suite du niveau. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller par là. Ouais, sauf que j'entends pas du tout ce qu'il dit. Ah, on voit un coffre là-bas tout au loin. Essayons d'aller dans la direction du coffre. Hop. Donc ça c'est zone aérienne. Et surtout on va aller par là, c'est par là que doit être le coffre et il est là. C'est bon. Et on trouve un chapeau. Suis juste allé vérifier que c'était bien ça. De toute façon, ça va aller vite. Voilà, on ne voit plus le coffre. Bon, on va aller faire la zone aérienne. Bon, j'ai pas trop aimé le vaisseau de la lumière là. Moi, j'aime beaucoup, c'est l'hélicoptère de style elfe. Je le trouve beaucoup plus maniable. Celui que j'aime le moins pour le moment parmi les véhicules que j'ai, c'est. Comment dire, le vaisseau de Bowser que je trouve lourd, extrêmement lourd et pénible à diriger, c'est vraiment pas agréable comme véhicule à piloter.
Allez, plus que 9, plus que 8. Ça va être long. Évidemment, cela compte pas. Ouais, ce serait trop beau. Allez. Ouais, trois d'un coup. C'est cool ça. Allez, 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 plus que un. Voilà. Cool. Et donc on revient exactement à l'endroit où on était. Ça permet de valider l'étoile aérienne. Donc on va pouvoir continuer dans le niveau. On a encore un coffre à trouver avant de changer de chapitre. Essayer de trouver ça quand même. Alors là il y a la porte qu'on va devoir reconstituer. Et du coup très certainement un coffre dedans. On voit un jeton pour le puits dans l'académie. Je ferai une petite vidéo de toute façon sur l'académie. Elle sera beaucoup moins longue que celle de Trap Team parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'académie. Ça va aller très très vite. Ça du coup je les utilise pas, comme ça je les ferai dans l'académie. On va prendre l'argent. Ah, pas grave. Alors on va ressouffler un coup. On peut pas? Bon, on peut pas, c'est pas grave. On peut faire qu'une fois. C'est pas gênant. Sauter là en bas? On peut même pas sauter. Ah! Allez, hop. Voilà. Ouais, le coffre, des monstres, de l'argent sur les côtés. Pour m'amuser à faire tout le tour pour choper tous les sous. On va déjà faire le coffre. Qui me donne un chapeau. Et des sous, évidemment. Voilà, la porte c'est fait. Du carburant pour la chaudière. Ces cristaux tournoyants m'ont l'air plutôt dangereux. Je suppose que ce pont est étendu là devant. Alors tu es d'accord avec moi. Voilà, le pont. Très facile hein, les énigmes à laser dans ce jeu. Et on tourne un petit peu celui-là, hop, dans le sens. Ça ira plus vite. Voilà. Pas de chemin caché, rien de caché. Bon, de toute façon, on sait qu'on a trouvé les deux coffres du chapitre. On passe donc au chapitre 12. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a à trouver. Un coffre seulement. Un marché ? Je cherchais de nouveaux sujets de conversation. Les gens des nuages.
font des brocantes géniales. Concentre-toi, Flynn. T'as déjà oublié le tyran avec son bâton éclair? Allez. Un coffre qui va être juste avant la... Voilà, ici. Et après, on va faire la zone en véhicule. Et je pense qu'on passera au chapitre 13. Je chope quasiment que des chapeaux. C'est assez original. Alors, on va tout de suite mettre un véhicule terrestre. Et c'est parti pour la petite course. Bon, des trois modes de jeu en véhicule que je préfère, ça reste la voiture que je trouve le mieux réussi en termes de jouabilité. Je trouve que les... Ou alors c'est lié au véhicule que j'ai, hein, mais l'aérien, je trouve ça super lent. Les missions là en aérien, mais... Je les fais pas quand je suis fatigué, parce que je m'endors en les faisant, je trouve ça d'un mou, c'est pas permis. L'aquatique, j'ai qu'un seul véhicule, donc peut-être qu'il est pas très maniable, mais sinon je trouve ça pareil, super, pas très très... comment dire, une jouabilité assez difficile en fait. Donc, véhicule que je préfère pour le moment. Mais... Dites-moi, n'hésite pas à me dire si vous préférez les véhicules, les avions ou les bateaux. Mais moi, pour le moment, je suis plutôt porté sur les voitures. Parce que franchement, je trouve les autres modes de jeu plus que moyens. Cette porte est verrouillée harmoniquement. Frappe les cloches avec ton superchargeur et la porte s'ouvrira. Très bien. C'est un verrou harmonique. Tu dois faire sonner chaque cloche pour l'ouvrir. Ça, par exemple, c'est super pas facile à faire. Voilà. Allez, ouvre-toi. Allez. Voilà, chapitre 13, la petite carte. Il en reste deux à trouver, les deux derniers. Et il va très certainement y avoir la zone aquatique. Ouais, bon, ça nous montre le chemin. Je crois que maintenant il n'y a pas un coffre par là-bas. Bon, je vous montre ça vite fait, c'est pour pouvoir améliorer des véhicules. Donc là j'ai 1261 écrous. L'arme elle est déjà au max sur ce véhicule et il m'en faut 1171 pour finir d'améliorer le bouclier. Donc je vais le faire. Hop, voilà, bouclier et armure à fond sur ce véhicule, j'ai plus à l'améliorer. Et on voit que les saphirs et les marchent ici aussi. Donc voilà. Hop. Alors là. Oui, oui, oui. Il se passe des trucs, on s'en fout. C'est pas le propos ici. Non, c'était juste de l'argent qu'on voyait. On va continuer d'avancer. Ah, petit coffre, petite serrure étincelle. Pas très compliqué celui-là. Trois étincelles de plus. Je pense que je vais encore gagner un niveau.
de mettre. Voilà, niveau 5. Bon, l'or, j'ai jamais eu de problème. Les rouages, c'est un peu plus long à récolter. Alors là, on a Perséphone. Là, on a des machins qui discutent. Là, on peut jouer au Skytone. Et là, on a un petit cadeau. C'est un chapeau. Déjà venu. Est-ce que je peux descendre là? Non. Hop. Avançons, avançons. J'espère que je rate rien. Alors là, on va voir la zone aquatique. Stratosphère a abîmé le cycloneur englouti. On va aller la faire. Une course en bateau. Rien de folichon. On évite les obstacles. Ouais, c'est vraiment juste une course. Non, je voulais pas le voir. Qu'est-ce qui m'embête là? Oula. Et puis là, on va pouvoir détruire ce truc-là. Quand il a les boucliers, ça sert à rien.
Titi, c'est un petit peu long. Allez, donc vous voyez la technique. Les gros bateaux qui sont protégés. On fait en sorte qu'ils les ciblent. Et une fois que le bouclier a disparu, on peut les détruire. Raté. Reste là, reste là, reste là. Reste là. Voilà. Bon, c'est quand tu veux, hein. Allez, enlève-le ton bouclier. Voilà, merci. T'es bon. On a fini la zone aquatique. Ce qui ne nous donne rien si ce n'est avoir fait l'étoile marine. Et avoir perdu du temps. Voilà, moi c'est comme ça que je les vois, ces zones-là, c'est. Peut-être un au niveau ou deux où ça débloque vraiment des choses qui font que on accède à des coffres alors qu'on n'y accédait pas avant. Mais sinon, le reste du temps pour moi, c'est de la perte de temps. C'est. Voilà, on a mis des véhicules, bon, on va mettre des zones. Mais elles donnent rien. Ça y est, un des coffres. Il en reste plus qu'un à trouver. On obtient encore un chapeau. Beaucoup de chapeaux, je trouve. Bah, on voit, on a trouvé le deuxième. Je crois qu'on est au bout du chapitre, là. Tous les coffres. Cinq sur cinq, ça y est, on a tout fait. Du coup, on peut avancer. On se débarrasse des bonhommes. Voilà, hop, la suite. Et je crois que c'est bon. Non, il y en a encore. Il y en a encore. Chapitre 14, mais là pour le coup, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de coffre à trouver. Voilà, il n'y a rien à trouver, c'est... Ah ouais, d'accord, ça va être l'étoile terrestre en fait dans le chapitre 14. Affronter un espèce de boss, mais dans le bateau, enfin dans la voiture, que je vais remettre tout de suite. Le prochain niveau, je le ferai avec Donkey Kong et son véhicule terrestre pour vous le montrer. Et après, il me restera éventuellement Bowser à vous montrer avec son véhicule aérien, mais voilà. Je pense que je ferai une partie du niveau avec le véhicule de Bowser, mais pas tout. Là, ça va être une course-poursuite contre un véhicule à détruire de temps en temps. Voilà, hop. Je devrais aller un petit peu plus vite vu que mon arme est à fond sur ce véhicule.
Même les méchants, ils sont pas en voiture, ils sont en véhicule volant. D'ailleurs, je comprends pas. Enfin, c'est complètement illogique. Moi, je sais pas, j'ai un véhicule volant, je suis poursuivi par une voiture, bon, bah, je me mets hors de portée, et puis voilà. On parle plus, hein. Je fais tomber la foudre à, depuis 5 km à la hauteur, et puis il finira bien par mourir. En attendant, on pourra jamais m'atteindre. Alors que là, on suit une piste, je trouve ça pas cohérent en fait. Partie des choses qui font que je n'aime pas, j'ai pas accroché un superchargeur. Allez, 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 allez. Ouais, ça y est. Voilà. Étoile terrestre. On a les 3 étoiles, on a les 5 coffres, on a la, du coup, la porte qu'on a pu faire tout à l'heure. Donc bah voilà, c'était la fin de ce troisième niveau constitué de 4 chapitres. À très bientôt.